Zami famille Anoué Lakayo, jou bandi yo konté, deuxième phase, décisive opération Badelma déclenché. Force en Kenya, selon commandant en chef Godfrey Outing, avant fête Noël, qui n'a 18 jours, bandi yo gen deux choix. Soit yo remet bout de fête qui n'en met yo, ou bien nous rentrer à le chercher yo. Nous pas dormi, n'a pas travaillé la nuit ou la journée, jusqu'à ce que nous atteignions l'objectif. Avant la période de Noël, je vais maintenant entamer une opération absolument décisive dans la deuxième phase. Et c'est précisément là que je dis que les jours sont très certainement comptés pour la danse. C'est soit que vous vous rendez à la politique, c'est le gouvernement. Ou nous viendrons vous chercher parce que nous ne dormirons pas, nous ne nous assoirons pas, nous. Sera là chaque jour et nuit constamment. Déclaration Godfrey Outingue, amis famille, à Noué Lakayo. Alors que Ganyo continue à avancer sous Port-au-Prince. L'État, pourquoi j'aime qu'arriver, fait sentir présence bon côté population, allez voir pour protéger. Même que quelques quartiers a résisté, yo la gué pour contre yo. C'est vrai, force de l'audio, arrivé consolider présence yo dans Badelma et puis chef coalition gang vivant ensemble dans courri. Mais dans qui mesi donné fondamental yo changé. Offensive dans zone l'ouest à capitale là, même prend vitesse sans la police pas arrivé ralentir. Premier ministre Didier Fizeme mobilisé gouvernement lien pour travailler sur yo plan d'action pour pi devant ami famille Anoué Lakayo. Ça paraît normal, mais qui ça qu'a fait dans l'urgence qui gagne journée aujourd'hui? L'urgence aujourd'hui, c'est pour la population arriver, prendre souffle en bas la terre, gagner et puis ramasser force pour la vie recommencer pour journée dans le pays. Sans les locas, déclarer insécurité, nous avons là, il y a 4 étages. Premier étage là, nous avons 3 anciens présidents qui sont dans le trafic ZAM. Deuxième étage là, oligarque qui n'en gagne. Troisième étage là, c'est ancien parlementaire, ancien drogue dealer, parti politique qui n'en gagne. Quatrième étape là, c'est monsieur Aksapatio qui solution pour nous résoudre problème qui gagne là. Eh bien, Stanley Lucas a présenté 2 solutions. Restez là, vous pouvez le temps de causer. Mais avant que nous fassions autant de Stanley Lucas, si que vous pouvez abonner avec Channel ça, nous invitez à faire ça. Pesez le bouton de notification pour pas rater aucune vidéo. Et nous saluons tous les amis qui un peu partout dans le monde là qui apprécient le travail que nous faisons. Parti politique action pour construire un Haïti organisé à Kao mandé yon lit ensemble en souffle contre un groupe armé avec économie criminelle dans le pays. Li mandé pour yon attaquer chef coalition criminelle vivant ensemble avec moun politique et élite économique qui soutenir. À Kao fait qu'on est groupe armé yon continue à exister surtout à cause complicité quelqu'un gros business ak industriel. Yo pa la ak propre force yo. Li dénoncer toute faiblesse ak conspiration nan institution l'état yo qui paralyser effort police ak la médaïti a fait. Devant une crise en plusieurs dimensions qui vinn pi grave ak augmentation violence gang yo, ak a remandé conseil présidentiel transition CPT ak gouvernement pour attaquer sérieusement groupe armé yo. Pour prouver yo pa la pour propre intérêt personnel yo. Parti a encouragé une mobilisation nationale pour mettre fin nan crise sa qui a répété et puis commencé un redressement national zami famille Anoué Lakayo. En plus, bureau suivi à Montana critiqué légitimité nouveau gouvernement, il déclaré l'issayon continuation échec à passer yo, li chargé à opacité à conflit intérêt. Li lancé un appel pour une vraie alternative pour sauver nation haïtienne. Notez dire que Stanley Lucas a venir avec des solutions. Et bien, en essayer tendez solutions Stanley Lucas là. Et si que vous en commentaire, pas oublier la gueule en bas vidéo. Constitution pays d'Haïti très clair. Même si la constitution américaine très clair. Surtout, si vous m'avez écrit Biden demain matin, c'est vice-président Kamala Harris qui a pris place. Si notre Kamala Harris, vous m'avez écrit, c'est le président Chambre des députés, Thea Johnson qui a pris place. Si vous m'avez écrit, c'est le secrétaire d'État américain qui a pris président. Là, quand nous lisons clair, même si la constitution pas noir. Dans l'article 149 de la constitution, il est très clair. Si vous avez un président ou bien un président, vous n'avez pas assumé responsabilité. Si pas un parlement pour mettre un président provisoire, c'est un premier ministre avec ministre qui doit gérer le pouvoir exécutif là jusqu'à ce que l'élection faite. Pas un affaire coup de cassation ni CPT dans la constitution. Son conseil des nègres qui besoin de voler l'État, piller l'État, qui a créé des structures qui pas exister. Si nous pas avoir une république de bananes, nous devons suivre la loi PIA. Loi pays a très clair. Les Ariel Henry aller. Si nous faisons consensus sur son premier ministre, et puis lui monter cabinet ministériel, là, pas un problème. Mais avec CPT, 9 vagabonds, 9 malandres qui ont fait des autres dans le pays,
ça va accepter bande dans pays là même pas là pour me défendre système là troisième point et d'ailleurs OSCPT qui s'allie là prend mon chef de gang pour mettre le délégué de l'ouest li pour un petit jeune pour faire liaison entre CPT et gang yo les petits jeunes dans sorti pour parler au reste négocier li comment voulez-vous on nèg ou du exécutif et puis on a gang mais même pas faire partie de système là son système m'a essayé écraser depuis à peu près 25 ans. J'ai essayé tout yé mille fois déjà pour peut-être m'empêcher d'écraser le système là. Parce que m'di faut que des marchés libres. Oligarchie va qu'un des monopoles avec 95% richesse pays. Ou du pas dans le système là, Zenle, ou pas fait partie de système là. Koya, on entre dans la solution. Taléa, nous faut faire diagnostic problème là. Nous devons insécurité à 4 étages. Premier étage, 3 anciens présidents qui n'ont gang. Deuxième étage, oligarque qui n'ont gang. Troisième étage, leader politique. Drogue zile ancien parlementaire qui n'a gang. Trois étages ça et gang à cravate yo. Quatrième étage, c'est gang à sapate yo. Couler en matière de solution, on entre dans la solution yo. Exact. Ou bien, un exercice que nous faisons les simulations, quand on prend paramètres économiques, sociaux et politiques, ou prend en compte réalité et culturelle et historique yo, pour permettre de faire une projection. Nous avons deux propositions de solution. Et nous allons parler de yo. Si nous ne pas faire yo, nous quittons 18 mois passés sous nous là. Nous allons arriver dans le stade de non-retour, côté tant que la Libye, tant que la Somalie, ou bien tant que le pays Congo. Si nous ne pouvons pas régler le problème, ça. Nous connaissons ça là. Est-ce que nous ne pouvons pas déjà, Stanley, dans ce parler, la phase ça. Nous avons l'expérience internationale, dans le pays côté passé, qui a un problème, ça. Nous pouvons là. Nous allons en phase de non-retour dans 14-18 mois. Ok. Côté si nous ne pouvons pas régler le problème, nous allons tourner Somalie, Libye ou bien Congo. Koulia, et dans la simulation que je fais, je fais une interview, j'ai 4 semaines de ça avec Louko, je dis qu'il y a deux décisions, si Gary Koni n'est pas à prendre, il va tomber avant fin mois de novembre. Dans la même simulation, ça a eu, ça là, avec dit CPT avec Fizeme, il va le craser en février et avril. Monsieur le politicien qui l'a eu, qui a fait politique, qui veut jouer une solution, il y a deux solutions. Il y a une ces politiciens, il y a une ces peuples-là. Bon, bye, première. Première solution, c'est que nous faisons consensus sur un premier ministre pour les bagailles à craser, c'est le premier ministre qui monte. Okay. Premier ministre a doit avoir 4 caractéristiques là, Kaili. Numéro 1, il parle en gang. Numéro 2, il a courage et compétence pour faire travail là. Numéro 3, il faut qu'il paie blanc. Numéro 4, il faut qu'il paie oligarque. Kouliya, ou gen doit être dans 8 semaines qui vini là, 4 noms sous table là, nous discuté de 4 noms ça pour nous qui moun, qui ka. Craser 4 étages d'insécurité, rétablir la sécurité et organiser les élections. Parce que avec zone métropolitaine qui gagne 43% de l'électorat et la Tibonite qui gagne 16% de l'électorat, qui boit 59-60% de l'électorat, ou pas qu'à faire élection sont pas rétablir la sécurité. Alors là, Stanley, pendant pas avancer, gagne mon cap. Stanley, pendant pas avancer, gagne mon cap Mado, qui est ce cap nommé premier ministre à parler de lui là? Depuis faire consensus sous lui. Même je n'ai pas fait consensus sur lui, faire consensus sur lui pour respecter la constitution. Non, Zenle, pour le temps, il y a une nomination, par contre, sous la, non, pour ça. Non, pourquoi Zenle? Non, pour ça, c'est important pour venir éclaircir, pour avancer. Zenle, Lucas, Zenle. Non, il faut éclaircir, ce bail là, pour avancer. On va avancer, puis bien, pour que vous compreniez. Mon vrai, attendez. Non, Zenle. Nous sommes partis pour le faire. Sauf à la, mon yap. Comprendre son proposition en fait. Donc, il faut que nous comprenions bien ce qu'on parle. Donc, question posée, choisissons un premier ministre. Monsieur Lucas, choisissons un premier ministre, nous pas dans la Constitution, ou qu'on est, c'est le président de la République qui désigne un premier ministre. Premier ministre passé devant le Parlement, yo bali feu vert, et puis il y a un statut de premier ministre. Ça, c'est dans la loi où tu as parlé tout à l'heure et où tu es correct. Mais dans le cas nous, elle a dit, n'a pas choisi un premier ministre, par consensus. Pour nous te choisir, même 9 mouns, 9 représentants, 9 conseillers présidents, ça prend un paquet de temps. Et même choix premier ministre Gary Koni, il prend un paquet de temps pour le faire. Et malgré le fin fait, en tant que politique là, tellement pas de bon, où est-ce qui j'en causé à passer? Qui est-ce qui va l'intérimer? Qui moun kap fait choix? Qui moun kap dit, mes premiers ministres nous choisi ya, et sous qui base y a choisi, qu'on y a pour consensus là, dégagé, on allé. Oui, ça a son opinion. Moi même, d'où souvle respecter constitution, et comme ça qu'il a bral crasé, parce que CPT a pas aucun côté dans la constitution.
c'est neuf malandrins qui commettent des actes de haute trahison. Donc qui est-ce qui a pris décision hein? Comme président. OK, nous d'accord. Nous d'accord, nous pas neuf président parce qu'on a vu non. Nous ensemble dans l'entrée. Nous mettons nous ensemble monde qui dans pays qui gagne comme et qui gagne bijoux et puis n'a séparé. C'est ça qu'a fait là avec pays. Oui, nous d'accord, mais qui est-ce qui comment on a fait pour faire ça? Pas aucun côté de la constitution. CPT a dû écraser. Tout autant CPT a écrasé, pas écrasé pays a pas aucun côté. Donc première solution c'est que nous on les bagages ça va le craser parce que on a gang, on a volé l'argent l'état et la trier et c'est des nèg que nous connaît déjà qui dans gang qui t'ont volé l'argent l'état. Nous juste à faire dossier on après ça. Donc pas rien qui tourner nous là. Donc comme il va le craser pour faire la constitution, faire consensus sur un premier ministre pour les bagages la craser en fonction de quatre caractéristiques yo. Un premier ministre qui pas dans gang, un premier ministre qui a courage et compétence pour craser quatre étages, un premier ministre qui pas paix blanc et qui pas paix oligarque. Parce que les Salvador te commencé à craser trois étages gang à cravate, gen blanc t'a prélé pour dire non pas qu'à moi tel. Salvador va occuper yo. Les Salvador commencé à craser, les fin craser gang à cravate, yo commencé à craser gang à sapati à terre, yo dal se servi à droite pour dire c'est ma capette pour bloquer. Salvador te voyé la croix rouge international vient observer pour qu'il respecte les règles d'engagement. Le gouvernement ça capable monter à et moi dis nous que nous même la choisi avec un premier ministre qui a fait travail là. Faut le représentant croix rouge international pour elle commencer frapper pour ne pas dire espérance les Gédéon gens qui dans tout vrai complot contre la justice et la sécurité pour ne ça pas venir dire c'est massacre quoi faire. Koulia, ta première solution. Deuxième solution. Si politicien yo pas ka mettre tête yo d'accord. Dans deuxième solution, si politicien yo pas ka mettre tête yo d'accord, ou va gagner ça les solutions à la Bangladesh. Qui ça Bangladesh te fait? La jeunesse qui est avenir menacé à politiciens BIA, ça qui ça la jeunesse Bangladesh te fait. Toutes jeunes qui te gagnent 18 et 35 ans, dans chaque commune, Carrefour, Taba, Delma, Pétionville, Cité Soleil, Matissa et Latrier, ils ont monté des comités de libération nationale. Chaque comité de libération nationale a un groupe WhatsApp. Et puis il a préparé 7 février. Côté mettre 5 millions de monde dans l'âle. Et puis ils ont commencé à nettoyer BIA de tout système dans le mode de bois calé. Ça y a deux solutions. Yo. Si nous ne pouvons pas jouer nos solutions, dans deux solutions, nous quittons 14 mois, 18 mois passés, nous avons un stade de non-retour côté gagnant pour avoir un élément permanent de gestion PIA, même je l'ai fait au Congo, même je l'ai fait en Libye, même je l'ai fait en Somalie. Mais, un petit commentaire, s'il vous plaît. Et puis, c'est l'ISCA. Prochaine fois, vous avez besoin d'attaquer moi. Et assurez-vous que je suis pas là, et bien, l'aime pas là, d'être de moi, quoi, vu une dimension. Non, vous avez vu là, là, là. Un petit commentaire de Dominique. Ou pas la sous radio il est venu cause sous moi même assumer tout ça me fait men et moi même pendant 35 ans qui sont passé là monsieur un nèg qui goumé contre système là avec c'est moi qui inventé mon groupe de boudon pour population qui comprendre qui oligarque cap volé dans courant cap volé dans gaz cap volé dans secteur bancaire cap volé dans port c'est moi qui créé groupe blackout pour nèg yo pour jeune yo qui comprendre qui gens yo volé en usine électrique qui ont été construits à l'argent peuple en 1979, comment est-ce que vous volé l'usine électrique et vous servi à l'usine électrique l'État, l'usine peuple qui vous volé, et puis vous avez pillé l'État 350 millions de dollars américains chaque année, et vous avez tué Jovenel. Donc moi-même, pas aucun problème personnel avec qui sous panel là, les bisonnés, monsieur qu'on aime les faire pour lui. On est qui passe colonel dans l'armée pays. Qui j'en pas respecter Rebi. Je ne veux pas attaque personnelle sur Rebi. Je ne parle pas de l'état. Je ne parle pas de système. Non. 4 étages système. Non. Faut mettre 5e. Non, moi-même, je toujours tout ça. Qui est pour venir craser. 4 étages système. Non, n'a pas mettre le premier ministre. Si c'est l'ISCA qui a fait travail là. Ou bien l'autre partenaire qui dit pas dans la politique là. Qui a fait travail là. N'a pas mettre le premier ministre. Mais dans le cas fou que nous arrivons. Faut nous mettre un cabinet ministériel, grain crasé, qui parle de gang, qui pouvait nous faire peuple à la paix. Dernier moment, je dis avant d'aller, c'est pour les gens qui sont dans la rue, ou même qui sont dans le camp, ou même qui sont déplacés qui sont dans la rue. Nous avons un grand nom, nous avons décaissé comme sous nom, nous avons 1 milliard 300 millions de gouttes décaissé sous nom. Même pas avec les négales volés comme là, même j'ai volé comme dans la Banque nationale de crédit ou bien comme renseignement. Mardi matin à 11h, sans pas faire des ordres, monter dans le primatial, chercher 50 000 gouttes que le premier ministre te promet. Bah, il n'y a que des caisses comme là. Comme là, on va le séparer un lait pour politiciens à boire champagne pendant le mois de décembre et le 1er janvier sous dos. Et puis, ou même dans l'arrière, on va souffrir. Ma promette est encore. Ou même qui dans l'arrière.
mardi 10 décembre à 11h, sont pas fait des ordres. En sous-brenzin, on va monter dans primatia chercher 50 000 gouttes là. Parce que quand la débat, dès que c'est sous nom, faut y avoir un combou. Si on va avoir un combou, laissez-moi mettre en danger. Monsieur Bonjour Benny, nous passons bon reste de débat. Son plaisir pour nous toujours parler avec nous. Nous c'est frère moi que nous yem pas jamais faire contact avec nous. Mais là quand le docteur li doumé sa maladie a, c'est pas docteur qui crée maladie, il constate, il constate. Et ensemble depuis nous on est d'accord que gang à cravate et ça pas doit exister, n'a travaille ensemble. Mais question on est gabé faire me comprendre. Problème c'est gang à sapate seulement pas capable parler de gang à cravate, tout ça pas exister. Bonjour Benny, nous kembe la telle fois. Kembe la zanlé. Soyez sans les Lucas, sans amis familiaux, Noël Akayo, qui vient avec la solution, ça, malgré qu'il y a une pile discussion sous proposition sans les Lucas là, ou à Dimitri, qui vous pensez, mais en commentaire en bas vidéo. Pierre Espérance, qui est directeur RNDDH, eh bien, il déclarait, donc, en fuck monsieur qui est en place là, déterminé pour que yo bataille contre bandit. Donc, si yo n'est pas qu'à bataille, que lui retire tête li. Donc, c'est eux-mêmes qui te proposent tête yo pour au travail, pour que yo résoudre l'insécurité, hein. Pour mettre gang yo dans wol yo, donc il dit si on n'est pas le travail, quel que soit moun que ou t'es hein, ou t'es conseiller présidentiel ou t'es premier ministre ou t'es ministre ou t'es chef de la police ou bien l'armée, de vous pas qu'à travailler, c'est retirer tête. Donc entendez déclaration que Pierre Espérance a été fait dans micro à Noël Akay. DG avec tout l'autre dans ou état major mettez tête ensemble pour travailler ensemble. Si yo pas veut travailler ensemble, c'est pour aller corps faire plan ba yo population pas capable prendre encore. Il n'est pas capable d'atteindre caprice autorité et soit développer conflit l'un avec l'autre, côté que pour la population pas payer les états. Donc, le directeur général, on a un état-major, au niveau de CPA, nous voulons les résultats. Nous ne voulons pas une police qui est tout le temps et qui a tué du fait. À savoir, à chaque fois qu'on attaque, et puis c'est les arts qui ont intervenu. Nous, t'as aimé que la population. Et dans la zone et canapé vert et particulièrement Chrisoa et avec Solino et sous Delma, particulièrement sous l'aéroport et aéroport Nazon a circulé librement. Et qui donc nous a aimé ouais, que les policiers, mon travail qui commence à faire à partir de Nazon, Solino, Kafou aéroport pour et yo capable de démanteler gang yo. Il dit bandi yo c'est cimetière ou prison. La mort ou prison. Nous encourageons la population pour continuer mariage avec la police. Population défend tête. Chaque fois où on entre la caille nous et pour forcer nous mettre dehors ou peut-être ou bien tuer nous. Si au monde pour la cage on a intimité au monde à entrer pour lui venir sur vous couiller, c'est ça relais autodéfense légitime défense. Par contre, si population identifie des cailles, des zones, des espaces qui sont bandits, informer la force publique et nous dit la force publique pour leur neutraliser, patrouiller, remettre au la justice pendant la payer, coup mal taille dans la justice, kounya. Là, il y a un commissaire gouvernement, substitut commissaire gouvernement, tant que souvenir gentil, qui est actuel commissaire gouvernement qui est là pour dégager, qui a continué à grader les bandits, fort population, c'est nous avons commis dans la prison, tout, dans la place bandit. Donc on dit légitime défense, oui, autodéfense, oui, policier tué et bandit tiré sous policier, pas hésiter, tué. Bandit tué sous policier, pas hésiter. Nous les policiers touillés. Chaque fois où tout le monde dit qu'il va attaquer une population, capturer sous population, capturer sous population, sous policiers pour sauver 5, 7 à 10 membres dans une famille. Légitime défense, oui, son droit sacré. Autodéfense, oui, son droit sacré. Et nous dit, depuis la police neutralise les bandits, depuis la population identifie les bandits, population identifiée m'a dit, mettez bail la police neutralisée m'a dit, mettez bail la justice. Mais à faire question pour nous continuer à courir quitter caillou. Nous n'entrer la caillou, c'est dans l'intimité où nous entrons, ou pas d'inviter la caillou, ça prend ses pas. Bandit a un côté que la police a fait intervention, on va tirer sur le policier, pas hésiter à touiller. Mais à partir du moment que vous neutralisez, pas touiller.
ça a mandi à faire dans le pays assez des actes terroristes. Terroriste, ça c'est pour agir avec rigueur. Mariage population avec la police à encourager. Pendant ce temps, nous demandons pour le ministre de la justice pour commencer à garder le paquet. Il y a trop de zones dans le paquet. Il y a trop de commissaires, si petit qui a fait des autres. Regardez ailleurs là, l'autre jour là, dimanche 17 novembre, il y a cassé le paquet Port-au-Prince. Côté que, il y a volé en pile bagage, en pile corps du délit, et le commissaire gouvernement, par exemple, ouvre une enquête pour que la police judiciaire saisie. Comment s'étendre des policiers qui sont sécurité qui était là et pour qui ça a été dans qui condition paquet a cassé qui donc actuel commissaire gouvernement il fait le complice des sécurité des gangsterisations des gangsterisations pays a un paquet pas cassé pour des armes des produits délits qui allait pour le commissaire gouvernement pas informer population pour par une enquête qui l'ouvre, ça a montré que Negui là dans tête paquet à nous connaît qu'on passé, qui pas douté, nous connaissons un monde qui était honnête, mais je dis à l'effet, y compris des monde qui a volé, qui fait ça qui passe dans le paquet à nous. S'il n'est pas capable, râle le corps, parce que le pays n'a pas capable marcher sous caprice, nous, n'a vivre, n'a bénéficier, n'a vu des privilèges qu'il y a avec fonction, nous là pour nous bailler résultat. Et la justice haïtienne, non. Lui joue un rôle extrêmement important, non négligeable, dans la gangsterisation du pays, dans l'impunité avec la corruption. Nous avons besoin d'acteurs dans la chaîne pénale qui mettent au service de la population, qui défendent la population, qui respectent la loi. Ce n'est pas normal pour que les gens puissent passer 3 mois dans la tête de paquet de votre présence pour ne pas remettre rien. Ce qui est les gens qui. Tu as fait ça que ça, c'est eux-mêmes qui ont coupé raché dans le paquet. Ce n'est pas normal pour tout le temps. Le paquet a sécurisé, il y a sécurité là. Et puis le paquet a cassé, c'est cassé fait et couvrir ça, on ne peut pas attendre rien. Il n'y a pas saisi de CPJ. Nous dit, moun qui n'est pas capable de râler corps. Même gens dans la police à tout, ou pas capable de râler corps. Dans la justice, même bagaille parce que la population n'est pas capable d'en avoir. Qui est intérêt à gagner dans le cas de la guerre? Bon, c'est le commissaire gouvernement qui vous dit qui est intérêt à gagner parce que c'est lui-même qui a cassé le pays comme ça. Monsieur Bias, il y a toujours un aspect de sécurité. Là, vous parlez des nouveaux DCPA, mais nous connaissons le premier ministre lui-même qui nous fonctionne comme chef CSPN. Depuis les installations, nous ne pouvons pas attendre. Alors, je vais appeler le chef paquet parce que c'est Lionel Boubouin. Il est là depuis 3 mois. C'est cautionner la cautionner et finité. On est que toute population connaît pour passer comme une série, mais nous ne comprenons pas ce qu'elle a fait là. Oui, sous chef CSPN, non. Donc, depuis après l'installation, nous ne pouvons pas attendre. Nous ne comprenons pas ce qu'elle a fait. Nous-mêmes, nous avons lecture à voir. Bon, moi-même, et Premier ministre, Gary Conny, qui ne parle pas lui, mais. Alex. Et nous attendre, moi dit Premier ministre Gary Conny qui ne parle pas pile, nous attendons, nous attendons le résultat. Et Didier Fizeme, c'est vrai, il ne va pas parler, mais il n'a pas de résultat. Il faut qu'il parle, mais l'on parle de son résultat, il est encore bon. Il n'a pas de action, il n'a pas de propagande. Il n'a pas de action, il n'a pas de propagande. Mais il faut que la police, CPT et le gouvernement communiquent avec la population, par exemple. Et l'organe de plusieurs opérations qui menaient, et souvent, pour celle journée, mardi 19 novembre 2024, là, il y a 96 bandits qui mourent dans la zone métropolitaine, dans la Port-au-Prince. 96 au jour. Et la police, par exemple, dit par exemple, un chiffre officiel. Qui donc, faut que la police a communiqué, parce qu'il y a des porte-parole, faut que le chef gouvernement communique, faut que le ministre de la justice a dit qui ça l'a fait, je l'ai dit avec paquet, on a été à paquet Port-au-Prince avec paquet, quoi des bouquets. Il n'y a pas besoin de communiquer en pile, nous avons besoin de résultats, mais il faut qu'ils communiquent. Entre Gauthier libéré depuis semaine passée. Oui, merci. Il a fait la bille, il était arrêté mal, nous sommes contents de libérer. Non, le KIP, le secteur de l'oiseau humain, c'est une décision que prend le dernier conseil des ministres. Puis tu as choisi Magali Georges pour remplacer Edwin Léon Jean. Donc, SRNDDA, ça malgré arrêté à propos de sortir. Bon,
nous lis sur les réseaux sociaux, nous lis articles qui sortent dans l'agence de presse et Magali Georges, un monde qui est honnête, qui a une autorité, qui est connu, qui est un défenseur de droit monde dans la question, droit à l'éducation, c'est lui-même qui est choisi pour représenter le secteur des droits humains dans KIB. Mabdiou, la POIDH, qui est la plateforme organisation haïtienne de droit monde, dont RNDDH est membre, nous ne pouvons pas ni loin avec le choix. Nous ne pouvons participer dans aucun processus qui pourra aboutir avec bon choix. Cependant, nous ne sommes pas dans condition tout pour nous participer. Parce que des hommes, Zafois, que GDON fait avec l'équipe, dans utiliser l'argent des hommes publics là pour acheter le monde en pile là-dedans, pour mettre GDON dans Zafois, pour te bouer dans le conseil électoral provisoire. Pas permettre que ça ait une sérénité pour n'importe quelle organisation de droit monde à mener le processus. Qui donc, et CPTA comblé et vide là, nous prenons acte de ça, mais nous ne pas participer ni de loin ni de près dans ça. Malgré tout problème que Force Militaire Nationale a lui-même traversé, question de financement, question d'effectif, nous voyons que nous avons une deuxième phase opération qui déclenche dans Badelma. Godfrey Otinge déclaré avant Noël, donc monsieur yo pas bien l'autre choix, donc soit que yo remet zam ki nan men yo an, ou bien yo rentre vin pran yo. Question qu'a posé, est-ce que vraiment Kenya y a pas arrivé vers ça? Wadim, qu'est-ce que vous pensez dans un commentaire en bas vidéo ça?